Bonjour. Dans un instant, on va entendre et discuter et répondre à vos questions avec Jacques Attali sur la problématique « Peut-on prévoir l'avenir ?» Mais dans un avenir très immédiat, je voudrais accueillir derrière cette tribune transparente le président de la Fondation Nature et Découverte, qui est le partenaire principal de ces universités de la Terre, et Éric Falt, sous-directeur général de l'UNESCO et qui... très gentiment, accueille cette conférence. Je les accueille tous les deux pour que vous les identifiez bien. Celui qui est en bleu marine, c'est Éric Falt de l'UNESCO et celui qui est en vert, c'est le président de la Fondation Nature et Découverte. Vous pouvez les applaudir. Messieurs, vous pouvez aller ensemble à la tribune. Bonjour et merci de nous accueillir. On est ravis d'être là et il y a plein de monde et il y a encore plein de gens qui font la queue avenue de Suffren. Éric, c'est à vous. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à l'UNESCO au nom de la directrice générale, Madame Irina Bokova. Et l'UNESCO est aussi très fière de souffler aujourd'hui avec vous les 10 bougies de l'Université de la Terre en même temps que celle des 70 ans de notre organisation. Si nous avons mis un point d'honneur à précieusement préserver ce lien tissé avec l'Université de la Terre, son équipe et ses partenaires fidèles, c'est qu'année après année, nous avons vu grandir ce rendez-vous qui est devenu celui de la jeunesse et du nouvel humanisme. Avec le temps et cette semaine, ce mois, en particulier dans le contexte de la COP21, en particulier, ce moment d'échange a plus de changes de sens et de valeur encore quand il nous faut réinventer nos modèles de fonctionnement sociaux et économiques et nous engager avec, pour seules armes, l'éducation, la culture et l'innovation. Sans doute, en effet, cette Université de la Terre prend-elle plus encore que les précédentes la forme d'un appel à l'engagement. Cet appel impérieux à nous repenser, à nous réinventer. Nombre de femmes et d'hommes le lancent également depuis plusieurs années, dont, évidemment, le grand invité de cette matinée, Monsieur Jacques Attali. C'était aussi celui d'un écrivain et ami de l'UNESCO qui nous a quittés en juillet dernier, Monsieur Samuel Pizard. Monsieur Pizard disait notamment, et je le cite, « Notre conviction commune est celle d'un nouveau grand dessein, possible à l'échelle mondiale
à partir des prodiges les plus récents de la science et des technologies. On aperçoit comment tirer de son dégoût ou de son désespoir une humanité désabusée pour lui montrer l'aventure d'une nouvelle conquête historique. Fin de citation. Et pour cela, nous sommes heureux d'offrir cette tribune aux femmes et aux hommes politiques, scientifiques, artistes, militants, qui vont se succéder ici et partager leurs idées, leur confiance et nous communiquer leur envie de se battre et d'agir pour, ensemble, justement, faire changer tous les climats. C'était auparavant un plaisir pour l'UNESCO de les accueillir, c'est maintenant également un impératif et je les en remercie. Je vous souhaite à tous une très riche journée. Éric Falt, merci. On écoute maintenant François Lemarchand, président de la Fondation Nature et Découverte. Merci Éric de nous accueillir à l'université, à l'UNESCO, pardon, je ne sais pas encore la même chose. D'abord, bonjour à tous et bienvenue à cette 6e Université de la Terre. L'Université de la Terre ou la rencontre de l'écologie et de l'économie. Telle est notre ambition depuis 10 ans déjà. Et que de chemin parcouru depuis. Car aujourd'hui, plus personne ne nie qu'il y a un dérèglement climatique. C'est paradoxalement ce qui ouvre enfin la voie à la recherche de vraies solutions. Nous ne sommes plus dans le déni. Nous n'avons pas, bien sûr, choisi cette date par hasard, mais au moment même où se déroule la COP21. Nous désirons ardemment que la COP21 réussisse et que nos gouvernants et politiques parviennent à fixer le cadre général et les règles de jeu dont on a besoin. Mais ce sera surtout à nous, les acteurs de la société civile et les entrepreneurs, de bâtir ce nouveau monde avec notre enthousiasme et notre créativité. C'est pourquoi nous accueillons cette année comme partenaire de notre université le mouvement des entrepreneurs d'avenir, un groupe très déterminé de jeunes entrepreneurs qui vont bousculer nos vies par leurs initiatives à créer une nouvelle économie décarbonée et une société plus solidaire. Faisons changer tous les climats. C'est ce titre volontariste et positif que nous avons choisi pour sortir de la dépression annihilante qui nous bloque et pour nous charger d'espérance active. Nous devons retrouver le goût de l'avenir. Nous devons retrouver le goût de l'avenir tant il est vrai que l'optimiste consent à être acteur de sa vie alors que le pessimiste se condamne à n'en être que le spectateur passif. Je vous conseille de voir ce petit bijou qu'est le film de Luc Jacquet intitulé « La glace et le ciel » qui raconte la vie du glaciologue Claude Lorius. Claude Lorius, lui-même, dont les recherches ont prouvé qu'il y avait un réchauffement climatique. Et Claude Lorius ne nous cache rien des défis gigantesques qui nous attendent avec la possible 6e extinction des espèces, dont nous faisons partie d'ailleurs. Et il conclut son constat désespérant avec ces mots magnifiques. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais si sublimement lui-même que dans l'adversité. Et il ajoute, alors, maintenant que nous savons, qu'allons-nous faire? Il est souvent bon de relativiser où nous en sommes à l'échelle du temps. Et c'est mon ami Patrice Van Hersel qui est dans la salle qui me rappelait tout ceci. Il me disait, la vie où la biosphère a émergé sur notre planète il y a 2 milliards d'années. L'apparition de l'homme, ce serait il y a 2 à 3 millions d'années, on n'est pas bien sûr. Puis, avec l'agriculture et la création des cités il y a 4 000 ans, s'amorce la corrosion des techniques humaines envers la biosphère. Et cette corrosion prend une tournure vraiment agressive avec la première révolution industrielle il y a moins de 200 ans. Mais 200 ans qui nous ont fait rentrer dans l'âge de la technosphère, nous donnant, au-delà de progrès évident pour l'humanité, les moyens de dévorer
tout le charbon, tout le gaz, tout le pétrole que la biosphère a mis des centaines de millions d'années à accumuler. Et enfin, un dernier chiffre, un tout petit chiffre, c'est-à-dire quasiment rien à l'échelle du temps, 50 ans. 50 ans où les chiffres s'affolent pour notre planète, nous voici atteints d'une infection fulgurante qu'on appelle le réchauffement global et qui menace de provoquer notre extinction. Devons-nous désespérer ? Ou bien alors, allons-nous faire de ces 50 ans un accident vite corrigé de l'histoire du monde ? Parce que pourtant, quelles que soient les pulsions de mort de toutes sortes qui se multiplient, on doit aussi constater que l'intelligence collective de l'humanité apporte chaque jour des preuves de son existence et de sa créativité. La conscience planétaire s'éveille grâce à des outils formidables dont nous sommes en train de nous doter. L'avènement de l'Internet est l'embryon d'un cerveau global et collectif qui accélère de façon exponentielle nos capacités de connaissance et de compréhension. Mais il est un autre outil, tout aussi puissant, qui peut venir à notre secours, c'est le biomimétisme. Le biomimétisme, dont Jeannine Bignouls est le chef de file, le décrit comme le service recherche et développement de la nature, lequel a des millions d'années d'avance sur ceux de nos entreprises et laboratoires. En effet, la nature n'a cessé de s'adapter pour éviter sa disparition. Elle a fait comme nous. Elle a tout essayé et inventé pour cela. Des stratégies de coopération, des stratégies de symbiose, de mutualisme, mais aussi des matériaux, des formes et des processus nouveaux. Ayons donc l'humilité de profiter de ce livre ouvert devant nos yeux qu'est la nature et que nous n'avons que trop négligé. Faisons changer tous les climats, telle est donc notre ambition, et c'est la flamme qui brille dans les yeux de tous ceux qui viennent témoigner à cette université de la Terre, et l'énergie que tout le monde dégage, que vous dégagez, nous indique sans conteste qu'il ne faut pas douter que l'humanité saura faire face à ses responsabilités. Et maintenant, je vais passer la parole à Jacques Attali, qui saura mieux que quiconque nous brosser son histoire de l'avenir. J'espère que c'est une histoire heureuse. François Le Marchand, merci. Vous l'avez annoncé. Jacques Attali est parmi nous. Jacques, installez-vous. Alors, ces universités de la Terre, je ne sais pas, ils ont eu du pif au départ, mais ils les ont installées sous le signe de tous les climats. On baigne en plein COP21, mais la trouvaille des universités de la Terre à l'UNESCO, c'est que quand ils ont défini ce sujet, ils ont dit on ne va pas faire que le climat, réchauffement climatique, mais on va faire tous les climats. Ah, climat politique, climat sociaux, etc., etc. Et ma première question, c'est l'interdépendance qui peut exister entre les climats. Est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur notre climat politique qui aurait un impact sur le climat et inversement, et dans tous les sens que vous pouvez interpréter. C'est parti. Montesquieu a déjà beaucoup écrit, presque tout dit là-dessus. La théorie des climats, c'est très ancien. Selon le climat dans lequel on vit, on a une cuisine différente, une agriculture différente, un mode de vie différent. Et donc, évidemment, c'est absolument déterminant. Aujourd'hui, on a même des statistiques très précises qui montrent que la hausse de la température augmente la probabilité de la violence. La violence est d'autant plus grande qu'il fait chaud. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la localisation de la violence, même si nous sommes très sensibles aux tragédies qui nous touchent. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres tragédies plus quantitativement gigantesques dans d'autres régions du monde. Donc oui, les climats sont extrêmement interdépendants, tant dans le court terme, comme je viens de le dire à l'instant, que dans le long terme, quand on voit l'évolution sur les siècles, les périodes de glaciation, les périodes de réchauffement ont eu des conséquences considérables sur l'évolution des civilisations. Alors, on va parler ensemble de la prévision. Peut-on prévoir l'avenir ? C'est à la fois le sujet de cette conférence, mais c'est aussi le titre, me semble-t-il, d'un de vos tout derniers livres. Puisqu'on a parlé de la COP21, restons-y juste un instant.
La COP 21 est le résultat de prévisions, climatiques, de prévisions écologiques. Ma question, c'est qu'avons-nous fait de ces prévisions? C'est la 21e conférence climat. Ça fait des années et des années qu'on prévoit. Et il y a un hiatus, il y a sans doute un problème entre la transformation de la prévision et le passage à l'action. C'est un problème quasi managérial. C'est aussi un problème philosophique et psychologique. Je voudrais votre avis là-dessus. D'abord, la COP 21, ça n'est que la COP 21. Il y a eu une COP 20, il y aura une COP 22, il y en a tous les ans. C'est important pour deux raisons. D'abord parce que c'est à Paris et que nous y sommes. Ensuite parce que nous sommes vivants au moment où elle a lieu, en tout cas à l'heure où nous parlons. Et que rien n'est plus important pour nous que ce qui se passe pendant que nous sommes vivants. Mais à part ça, elle n'est pas plus importante que les autres. Elle se situe simplement dans un long continuum dans lequel il y a une lente prise de conscience qui a eu lieu de l'interdépendance de la planète. C'est d'ailleurs absolument fascinant de voir qu'au moment où il y a par ailleurs un extraordinaire retour au populisme, au nationalisme, à la fermeture des frontières, en même temps, il y a la prise de conscience que nous sommes une seule planète et que nos intérêts sont interdépendants. Et c'est cette grande balancement, contradiction entre le local et le global qui se joue. Alors pour rester sur votre question, la COP 21, c'est un moment où progressivement nous allons vers une prise de conscience des enjeux. C'est un petit peu comme quelqu'un qui reçoit d'un médecin une mauvaise nouvelle. La première réaction, c'est pas ça, pas moi. La deuxième réaction, c'est d'aller voir un autre médecin. La troisième réaction, c'est d'attendre. Puis à la fin, il finit par se rendre compte qu'il a un peu plus mal, que les symptômes sont plus évidents, et il finit par soigner. Nous en sommes là. Nous avons eu du mal à accepter que nous fassions un tout. Nous avons du mal à accepter que quelqu'un nous dise quelque chose. Et on a ça. Mais ce n'est pas vrai seulement pour le climat. C'est vrai de façon très générale sur le fait que l'humanité et chacun d'entre nous, dans notre vie personnelle, nous détestons les mauvaises nouvelles. Donc nous détestons prévoir. Puisque tout prévoir nous met en situation de recevoir une mauvaise nouvelle. Soit parce que la mauvaise nouvelle est définitive, soit parce que la mauvaise nouvelle n'est pas définitive, mais nous pousse à l'action. Nous pousse à l'action et on n'a pas envie d'agir, donc on n'a pas envie d'entendre des mauvaises nouvelles. Alors, il y a confusément un sentiment qui est sans doute dû à plusieurs facteurs, mais c'est que les institutions qui étaient chargées de la prévision ou d'éclairer l'avenir ou de donner des garanties sur l'avenir sont un peu dépassées. Quand je dis les institutions, ça va de l'entreprise à l'État ou aux organisations supranationales, avec peut-être comme cause originelle le fait que la religion n'éclaire plus l'avenir comme elle prétendait le faire au Moyen-Âge, que les idéologies, le communisme et puis pourquoi pas le capitalisme triomphant n'ont plus les mêmes promesses qu'autrefois, la même force. Et ça faisait office de prévision. Ça nous disait, demain il fera beau, ce sera mieux, l'avenir sera meilleur, vous irez au ciel. Ça faisait office de prévision. Mais on sent bien que les institutions qui prévoyaient sont un peu fragilisées. Est-ce que c'est votre constat? Non, parce que ce que vous dites n'est pas exact. Il y a au contraire un retour, sur lequel on peut discuter un moment, parce que c'est important, de la recherche du sens. Et la recherche du sens, c'est une forme de prévision. Si je vous dis notre histoire a du sens, ça veut dire que l'avenir est prévisible, il est même prédictible, c'est-à-dire qu'il est indépendant de mon action, et il suffit de suivre son cours. C'est ce que disent les religions, ou certaines des religions. L'avenir aura lieu comme ça, et on peut s'y confier. Et au fond, dans ce cas-là, pour beaucoup des religions, pas pour toutes, l'avenir se situe non pas dans ce monde, mais dans un autre. Et pour certains même, le plus vite on est dans cet autre monde, le mieux on se porte. On voit ce qui s'y passe, ce qui se passe autour de ça. Et donc, il y a au contraire, à l'échelle de la planète, un développement considérable du retour du religieux qui se voit à la fois dans l'évangélisme, dans le monde chrétien et dans certaines dimensions de l'islam. Et dans d'autres religions, comme l'hindouisme aussi, qui est tout aussi vibrant, comme on dit en anglais, là-dessus. Pourquoi il y a ça? Il y a ça non seulement parce que ça correspond à la nature humaine, que d'avoir besoin du sens et que pour les croyants, ce sens est un sens. Et aussi parce que tout le reste a failli. À la fois parce que nous n'avons pas été encore capables de créer du sens
non religieux à l'échelle de la planète, puisqu'on ne pense pas à la planète comme un tout, sauf maintenant un petit peu avec ce qu'on voit apparaître sur le climat et sur d'autres questions, et parce qu'aux autres niveaux, l'obsession a été et est de plus en plus une obsession de l'instant. L'entreprise ne pense qu'à l'instant parce que le chef d'entreprise est jugé sur le cours de bourse et les salariés sur leur action de la semaine. L'homme politique est jugé sur le dernier sondage. Et toutes les idéologies caricaturales de notre temps sont des idéologies de l'instant. Si vous prenez l'idéologie du capitalisme dans sa forme la plus dominante, qui se manifeste par la publicité, en permanence, chaque instant de notre vie, la publicité nous matraque, moi d'abord, maintenant. Il n'y a que moi qui compte, moi maintenant. Si vous prenez même une idéologie en apparence si différente, idéologie, disons, une philosophie en apparence si différente qui est le bouddhisme, elle dit la même chose dans sa version caricaturale. Elle dit « moi d'abord, maintenant, je m'occupe de moi ». Et si vous prenez la troisième idéologie dominante qui est en train de s'installer, le populisme, qu'est-ce que dit le populisme? Il dit « moi d'abord, le reste ne compte pas ». Donc nous sommes tout de suite. Moi d'abord, maintenant, tout de suite, le reste ne compte pas. Et donc, les trois des idéologies les plus importantes de notre temps, souvent de façon caricaturale, bien sûr, toutes de façon caricaturale, font l'apologie de moi, maintenant, tout de suite, au détriment du long terme. Donc il n'est pas incompréhensible qu'il y ait une demande de long terme et que comme la seule univers, le seul univers philosophique qui le porte, c'est l'univers religieux, il y a un retour du religieux parce que le religieux donne du sens au long terme. Et pour moi, le vrai sens au long terme, qui concilie les deux, et c'est une phrase qui est pour moi très importante, c'est que l'important dans chacun de notre vie, c'est de créer les conditions de devenir soi-même, devenir soi. Devenir soi, c'est la fonction même de nos vies. Il faut être pleinement soi-même. Et une des dimensions du devenir soi, c'est de créer les conditions du devenir soi des générations suivantes. Voilà. Une civilisation qui réussit, c'est une civilisation qui crée les conditions du devenir soi des générations suivantes. On va en parler. On va parler de cette, j'ose pas dire méthode, mais votre méthode, si, pour prévoir l'avenir, on va développer ça. Vous le développez dans votre dernier livre, en exergue duquel il y a cette citation. Si en régie, on peut projeter cette citation qui est en exergue du livre de Jacques Attali, elle est marrante parce que c'est une invitation soit à prévoir, mais en assumant que c'est pas rigolo, soit une invitation à ne pas prévoir parce que ça n'est pas rigolo. Alors, est-ce qu'elle se projette? Oui, elle est là. Aujourd'hui sur demain, tu ne peux t'avoir de prise. Penser au lendemain, c'est être d'humeur grise. Ne perds pas cet instant si ton cœur n'est pas noir, car nul ne sait comment nos lendemains se déguisent. Omar Khayyam. Pourquoi vous avez mis cette citation en exergue? Elle est amusante. Parce que c'est un immense texte, un immense écrivain qu'on aurait intérêt à lire, d'ailleurs très très bien traduit puisqu'on a retrouvé le vers dans une autre langue que celle dans laquelle il a été écrit. J'invite tout le monde à lire cet immense écrivain. Et aussi parce qu'en effet, c'est un défi contre l'instant, contre l'aveuglement naturel, contre le fait qu'on n'a pas envie de prévoir, on n'a pas envie de savoir ce qui va se passer, on n'a même pas envie de savoir ce qui s'est passé. Regardons la façon dont quotidiennement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous tâchons de ne pas penser à ce qui s'est passé il y a 15 jours. Non, ça n'était qu'un incident de passage. On pense à notre prochain tweet. Vous êtes un... Moi, j'adore ça. Voilà, je rappelle le hashtag pour ceux qui tweetent la conférence, c'est changer climat au pluriel. Pardon de vous avoir coupé. Cette heure et demie sera particulièrement notable par le fait que David Abiker n'aura pas tweeté. Au moins une heure. Cette citation, elle est en exergue de ce livre où vous nous faites une confidence, Jacques Attali, je voudrais le dire parce que c'est une confidence amusante aussi et qu'elle révèle une vocation. Vous dites, mes parents n'avaient pas prévu d'avoir des jumeaux. Ils n'avaient pas non plus, pour cette même raison, prévu mon prénom. Et c'est peut-être pour ça que je m'appelle Jacques, parce qu'on leur a apporté un berceau à la maternité en catastrophe, si j'ose dire, et sur ce berceau, il y avait marqué Jacques. Et ils ont dit, va pour Jacques, grosso modo. Et d'une certaine façon, ça a créé chez vous le goût, l'envie de prévoir et de regarder l'avenir. C'est comme ça que vous introduisez le livre. Et pour la première fois dans ce bouquin, vous nous faites entrer
dans les cuisines du chef, d'une certaine façon, et vous dites, ben, finalement, je vais partager ma méthode pour prévoir. Première question, vous revenez sur des prévisions qui se sont avérées. Vous avez travaillé sur la musique et vous avez dit, grâce à l'évolution des technologies musicales, on peut avoir une vision de ce que sera la musique demain. C'était dans les années 70-80, et vous dites, bah, demain, on partagera la musique. Vous dites aussi, l'énergie de demain, ce sera la communication. Ce ne sera pas le pétrole, ce sera la communication, et on est dans le siècle du big data. Donc, il y a plein de prévisions sur lesquelles vous avez travaillé avec pertinence. Est-ce que vous êtes planté? Parce qu'on apprend de ces plantades aussi. Oui, de deux façons. Je me suis trompé dans les délais. Il y a des choses que je pensais plus rapides. Par exemple, dans un livre que j'ai publié juste en 1980, je crois, j'avais annoncé l'arrivée du clonage et des organes artificiels. Et je pensais que ça viendrait plus vite que maintenant. Donc je me suis trompé dans les délais. Et puis, la seule vraie erreur sous réserve de l'autocensure qu'on se fait soi-même sur une prévision fausse que j'ai faite, c'est d'avoir prévu que le Japon pourrait succéder aux États-Unis comme superpuissance. Dans les années 80, il y avait tout était en place pour ça. Les États-Unis étaient vraiment dans une période de déclin absolu. Le Japon était en triomphant et je n'ai pas regardé assez clairement. D'ailleurs, c'était une thèse à la mode à l'époque hein, que j'avais repris. Je n'ai pas pris très clairement au sérieux les évolutions démographiques et le fait que le Japon était fermé à l'égard de l'extérieur, qui pourtant crevait les yeux comme étant un vrai obstacle à la superpuissance. Sur la méthode, alors on va entrer dans la méthode pour prévoir l'avenir. Moi, j'en ai identifié trois dans le livre. Prévoir pour soi et sa famille, c'est ce qu'on passe son temps à faire pour ses enfants. On essaye d'anticiper. Si on ne prévoit pas pour soi, au moins on pense à ses enfants. Prévoir pour sa collectivité ou son entreprise. Et puis, prévoir pour son État et sa nation, ou en tout cas, encourager ceux qui sont à la tête de l'État ou de la nation, ou de ce qu'il y a au-dessus, à prévoir. Est-ce que c'est la même méthode pour chacun de ces échelons? Oui, c'est la même. J'essaye de montrer qu'il y a beaucoup de méthodes pour prévoir qui ont été employées, et qui ne sont pas sans intérêt, puisqu'elles sont employées depuis très longtemps. L'astrologie n'est pas sans intérêt. Les cartes elles-mêmes ne sont pas sans intérêt. On pourra y revenir, mais ça a du sens. Et ça fait des milliers d'années qu'on fait ça. Certaines méthodes tibétaines sont très intéressantes, certaines méthodes africaines sont très intéressantes. Elles sont toutes liées au jeu de hasard, qui est une façon progressive de se révéler à soi-même ce qu'on a envie de faire. C'est une sorte de psychanalyse par l'affichage de l'inconscient. On fera un petit dossier sur les techniques, un petit peu ce qu'on dirait chez nous, un peu folklorique, quoi. Non, elles sont pas du tout. C'est fait depuis 3000 ans, c'est pas folklorique. Très cartésien, mais bon. Ensuite, il y a eu d'autres méthodes qui sont apparues, qui sont les théories de l'histoire. Vous l'avez cité, Marx, Darwin, enfin toutes les grandes théories scientifiques, Auguste Comte, etc. Et puis. Aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, c'est que nous ne sommes plus du tout en situation de prévoir, mais nous sommes prévus. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est même la grande tendance actuelle, nous sommes prévus parce que toutes les données nous concernant, nous les mettons à la disposition volontairement de grandes machines. Ça, c'est quelque chose que j'avais prévu il y a très longtemps. Nous les mettons à la disposition de grandes machines et ces machines agrègent ces données et prévoient. Et prévoient notre santé, notre consommation, par exemple. Certains disent qu'il suffirait de connaître votre prénom et votre lieu de naissance, pas votre date de naissance, pour savoir ce que vous allez acheter à Noël pour vos enfants. Parce qu'il y a des patterns, des modes, des structures de comportement qui sont précis. Vous ne connaissez pas mes filles, hein ? Oui. Voilà. Donc, ces méthodes sont de plus en plus précises et le seront de plus en plus parce que nous sommes dans un monde où les données sont de moins en moins à nous, c'est même une des grandes batailles. Nous ne nous appartenons pas, nous devenons un objet et ça rentre d'ailleurs dans une évolution très longue de la société où on dit souvent en économie il n'y a pas de repas gratuit, there is no free lunch. Oui, il y a un repas gratuit, c'est le repas dans lequel nous sommes la nourriture.
Et c'est exactement ce qui se passe. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Vous êtes le produit. Nous sommes ce qui est le produit. Ça veut dire que si on prend très concrètement une recherche Google, début du 21e siècle, on cherche dans Google et on va à la connaissance éventuellement pour prédire ou voilà, avoir une lecture de la connaissance de l'avenir. Aujourd'hui, la connaissance vient à nous, intuitivement. Les data font qu'on n'a même plus besoin d'aller chercher de l'info. Elles nous anticipent. Elles nous disent ce qu'on a envie de nous dire, parce qu'on pense que c'est ça qu'on a envie de savoir, mais ça, c'est des banalités. Si je peux permettre, c'est déjà là. Mais ce qui vient, c'est la prédictibilité des comportements des machines qui permet de réparer par anticipation. C'est-à-dire, on sait que, de façon statistique, il vaut mieux agir dans la maintenance avant la panne, et de même avant la panne du corps, donc ce qui fait la gigantesque préférence pour la prévention. Et de même, en matière de policière, il est triste de voir que les technologies en matière antiterroriste ne sont pas à la hauteur des technologies policières les plus avancées, qui ont permis récemment à un commissariat à Milan de poster des agents devant une bijouterie parce qu'on savait, sans savoir qui allait avoir un hold-up. Et il a eu lieu. Bon. Donc, on a des méthodes maintenant de plus en plus sophistiquées qui vont avancer très vite, qui permettent de prévoir les choses. On peut s'arrêter un poil là-dessus. Ce ne sont pas mes méthodes, on va y venir tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a un cas pratique et d'indignation collective qui nous dit, pour revenir à ces fameux attentats, ils surviennent. 3 jours plus tard, on s'aperçoit qu'on a des centaines et des milliers de data et de données sur ceux qui ont perpétré ces attentats, ce qui nous fait dire, a posteriori, on aurait dû prévoir parce qu'on avait la data. Et il y a un chaînon manquant qui est celui de l'analyse, que certains appellent analyse prédictive. Peut-être là, un sentiment de votre part. Il faut être prudent parce que l'histoire est toujours... Pour moi, j'ai 2 maîtres à penser dans l'histoire, c'est Marx et Shakespeare. Marx, parce que c'est tous ceux qui donnent des grandes lois. Shakespeare, parce que la capacité humaine de violer les lois reste très grande. Donc, jamais on ne pourra prédire quelque chose qui peut être décidé à l'ultime seconde par des gens qui sont assez fous pour le faire. Mais on ira beaucoup plus loin dans cette capacité prédictive, avec toujours cet échange entre sécurité et liberté. Si on veut plus de sécurité, il faut plus de surveillance, une surveillance tout azimut, y compris nous-mêmes, et nous sommes en situation de plus en plus, pour des raisons parce que nous préférons la chose la plus importante, c'est ne pas mourir, et ne pas mourir est plus important que vivre libre pour la plupart des hommes, et donc nous allons de plus en plus accepter cette évolution, et c'est un des grands enjeux de la démocratie de demain. Donc oui, on va aller vers davantage de prévisions, on va être de plus en plus prédictible, sous réserve de ce que nous sommes 7 milliards, et que 7 milliards, c'est plus difficile de prévoir le comportement de chacun d'entre nous, bien sûr. Mais on va aller vers ça, ça sera long, mais on va aller vers cela. Ce qui veut dire que comme ça sera long, cette longue évolution s'inscrit dans un continuum, une longue prévision historique, qui est celle que je vois comme prévision longue, c'est que... À l'aube des temps, l'homme était très largement cannibale. Il mangeait l'autre pour en acquérir la force. Et progressivement, le cannibalisme s'est maintenu en changeant de nature. Nous avons cessé de manger les autres, mais nous avons mangé autrement. Nous avons mangé les autres morts, plus les humains, mais d'autres proches vivants, êtres naturels. Et puis nous avons consommé des objets qui sont une façon de consommer la force de ceux qui les ont produits. Et aujourd'hui, comme nous sommes nous-mêmes devenus des produits que nous consommons, nous de nouveau consommons les données, nos données, les données des autres, et donc nous avons retour vers ça. Et progressivement, en même temps, nous sommes de plus en plus en train de nous transformer en objets. Ça, c'est une grande tendance de l'humanité. Nous sommes prédits comme les machines, on va nous réparer comme les machines, on va prévoir nos pannes comme les machines, et nous sommes en train d'être transformés en machines. Pourquoi ? Parce que la grande tendance de l'humanité, ça a toujours été, je l'ai dit en passant tout à l'heure, la peur de la mort. C'est la peur de la mort qui dicte tout, jusqu'à donner du sens à l'au-delà de la vie. Et cette peur de la mort nous amène inconsciemment tous à une idée absurde, mais vraie. Nous sommes mortels, cette table ne l'est pas. Et donc nous avons l'idée inconsciente que si nous étions un objet, nous serions immortels. Et donc progressivement, on accepte de mettre en nous d'abord des moyens artificiels de nous contrôler qui nous
réifie et des organes artificiels et tout ce qui va progressivement nous transformer en objets. L'histoire humaine et l'histoire de la lente traduction, transformation de l'homme en objet avec beaucoup de dimensions dont l'évolution de la sexualité est une dimension parmi d'autres. Ce qui nous amène, c'est les prévisions sur 3 siècles. Maintenant, si on veut prévoir sur sa propre vie, c'est d'autres méthodes. Oui, alors j'en reviens à l'entreprise, à la collectivité et aux politiques. Comment, dans ce monde qui est de plus en plus prévisible, avec ces grilles de lecture que vous venez de donner, nous, on doit se positionner? Est-ce que, finalement, on doit rentrer dans ce grand train de la prévision et de l'être fini et prévisible? Il n'y a pas de liberté sans prévision. On ne peut pas être libre soi-même sans prévoir, sans se prévoir. La liberté consiste non pas simplement à choisir l'objet qu'on va acheter demain matin ou l'endroit où on va habiter ou même son partenaire sentimental. La liberté consiste à essayer de devenir soi, choisir ce qu'on veut être, échapper à la routine qui fait que vous êtes né à tel endroit, vous êtes né à tel milieu, de faire ça. Et pour devenir soi, il faut prévoir. Prévoir soi, prévoir ce qui nous environne, et c'est pour ça que j'ai développé, et ça m'a servi dans toutes mes prévisions, toute une série de méthodes pour prévoir, qui s'appliquent en effet autant à l'individu, à moi, à vous, à chacun de ceux qui sont là, mais aussi aux entreprises, aux nations. Lesquelles ? Ça consiste à essayer de répondre à 5 catégories de questions. Première catégorie de questions... qu'est-ce qui est pour moi les conditions de ma vie, ce que j'appelle la prévision vitale, de ma vie physique? Est-ce que j'ai fait tous les check-ups nécessaires? Est-ce que je fais de la gym? Est-ce que je suis, est-ce que j'ai un régime alimentaire correct? Tout simplement pour prédire ou prévoir l'évolution de ma santé. C'est absurde de prévoir son avenir si on va mourir dans 8 jours, non pas d'un accident de voiture, ce qui peut arriver à tout le monde, mais simplement parce qu'on s'est laissé aller. Donc, c'est très à la mode, tous les gens font des bilans allergiques maintenant. Oui, c'est plus que ça, c'est ce que j'appelle le respect de soi. Le respect de soi est la condition de la prévision. Si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut rien faire. Première question. Premier groupe de questions. Deuxième groupe de questions, c'est de savoir qui sont, de prévoir quels sont les gens qui sont proches de moi, mes amis et mes ennemis. Essayer de voir qui sont mes amis et mes ennemis, comment ils vont se comporter à mon égard. Quand vous dites les ennemis, les amis, on voit à peu près, mais on a des ennemis? Essayez de faire la liste, vous verrez qu'elle est plus longue que vous ne croyez. Mais on ne les soupçonne pas. On ne les soupçonne pas. Que vous ayez des ennemis, je comprends tout à fait, plein. Mais... Vu votre parcours, etc. Je le prends comme un compliment. Les personnalités publiques, elles ont des ennemis, mais un type insignifiant comme moi, il n'a pas d'ennemis. Ou qui sont nos ennemis? Non, mais c'est une question très sérieuse. Quand je dis nos ennemis, on dit c'est nous-mêmes ou c'est nos parents. Freud dit vos ennemis. Non, la première, cette liste consiste à faire la liste de ceux qui sont importants pour moi. Ça, c'est important. Dans un sens ou dans un autre. Qui peuvent. Troisième. Liste de choses à faire, c'est qu'est-ce que j'ai comme projet pour moi? Est-ce que j'ai des projets pour moi? Est-ce que j'ai une vision de ce que je veux faire? Est-ce que j'ai une ambition? La quatrième, c'est les gens qui peuvent agir autour de moi. Est-ce que ces gens-là sont des gens qui vont agir d'une façon particulière et essayer de prévoir le comportement de ceux qui sont autour de moi? Positif ou négatif. Non pas prévoir ce qui était dans la deuxième catégorie, ce qu'ils vont devenir, que vont devenir mes enfants, mes parents, mes amis, mes ennemis, c'est une deuxième prévision, mais la quatrième prévision, c'est prévoir ce qu'ils vont faire à mon égard. Et la cinquième, ce qui est la plus facile, c'est de faire la liste des événements à peu près certains qui vont m'arriver dans la durée que je me suis fixé pour prévoir. Alors, si vous faites ça, d'abord faites-le pour la journée d'aujourd'hui. Prenez la journée d'aujourd'hui et dites, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon agenda? Qu'est-ce que je vais faire dans la journée d'aujourd'hui? Bon. Est-ce qu'aujourd'hui je suis en forme? J'ai fait ce qu'il faut pour avoir une journée saine. Deuxièmement, est-ce que je sais ce que vont devenir tous ceux qui comptent pour moi? Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui peuvent me nuire, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai comme projet pour aujourd'hui? Et puis... qu'est-ce que les gens qui me sont plus ou moins hostiles peuvent faire pour moi ou contre moi dans la journée? Vous pouvez faire ça en 5 minutes.
Quand vous avez fait ça, vous pouvez raconter par écrit sur une feuille de papier assez précisément ce qui va vous arriver dans la journée. Ça ne prend pas très longtemps. Après, vous le faites pour une semaine. Après, vous le faites pour un an. Après, vous le faites pour 5 ans. Ça va assez vite. Moi, je peux le faire pour vous. Et je peux avoir une idée de ce qui peut vous arriver avec quelques intuitions. Je peux le faire. Ensuite, vous pouvez le faire pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Est-ce que cette entreprise se prend au sérieux ? Est-ce qu'elle est... etc., etc. Et vous arrivez à des conclusions extrêmement révélatrices. C'est passionnant. Est-ce qu'on peut transposer à une collectivité ? C'est pour ça que je dis, vous pouvez le faire pour une entreprise, vous pouvez le faire pour la nation. Prenons-le pour une entreprise ou tiens, pour l'UNESCO. Faisons-le pour l'UNESCO. Première question, comment tu vas à l'UNESCO ? Quel est ton bilan social, ton état financier, etc. Oui. Deuxième question, quels sont tes amis et tes ennemis ? Tes amis et ses ennemis, on voit bien. L'UNESCO n'a que des amis. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Les États-Unis ont été très longtemps un ennemi mortel de l'UNESCO et la convalescence est encore non achevée. Non, il y a beaucoup d'ennemis de l'UNESCO. Il y a beaucoup qu'est-ce que l'UNESCO a comme projet pour elle-même aujourd'hui, Université de la Terre et puis plein d'autres projets. Quatrième. Mais un projet, ça dépend. Si c'est pour demain matin, oui, c'est l'Université de la Terre, mais un projet, qu'est-ce que c'est que l'UNESCO dans 20 ans ? Une institution, ça me ramène à autre chose. On n'a pas d'espérance de vie en termes de probabilité. En général, on n'a pas une probabilité de vie supérieure à la période pour laquelle on a des projets. Autrement dit, si vous avez des projets pour 5 ans, quel que soit votre âge dans la salle, votre probabilité de vivre au-delà de 5 ans est très faible. Et on entend souvent des gens qui disent « j'ai pas de plan de carrière, j'ai improvisé, j'aime pas... » Ce qui est un peu mon cas, mais enfin, les organisations qui n'ont pas de projet, elles meurent. Votre vie ne se résume pas à votre carrière. Ouais. Vous avez des projets, vous avez des filles que vous aimez beaucoup, vous avez des projets pour vos filles. Oui. Donc vous ne vous imaginez pas être là quand elles vont se marier à l'âge de 35 ans, parce que vous n'êtes pas pressé de voir vos fils mariés. Donc forcément, Donc forcément, vous avez des projets pour le long terme. Non, mais sur les organisations, vous dites finalement une organisation qui ne se projette pas à 5 ans, elle crève. Oui, à 20 ans. Une nation qui n'a pas une vision de ce qu'elle va être dans 20 ans est un jouet de l'histoire. De même, une entreprise qui n'a pas un projet à 20 ans est un jouet des autres. C'est très inquiétant ce que vous dites parce que nous, Français, même si il faut regarder la grande photo, on a le sentiment qu'en termes de prévision, les Français ne sont plus autant vaillants et glorieux du commissariat au plan, des grands projets industriels structurants. Vous parliez du Japon tout à l'heure, qui vous avait induit en erreur. Le Japon, j'ai appris en classe d'histoire et de géographie, qui avait eu ce qu'on appelait l'ère Meiji et qui avait un grand ministère industriel au Japon qui prévoyait tout et qui d'ailleurs prévoyait qu'il serait, dominerait le monde. Il y a deux choses. Il y a l'ère Meiji qui est 1860 et il y a le ministère qui est le Miti. Qui était apparu à ce moment-là et qui a duré jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui existe encore d'ailleurs. La France, c'est un cas assez particulier, différent des autres, parce que chacun est différent des autres, mais notre cas est particulier parce que nous sommes la seule nation existante aujourd'hui qui n'a pas créé un État, mais qui a été créée par l'État. Il y a eu d'abord un État français qui était réduit aux îles sur la Seine, là, et puis qui progressivement s'est agrandi et est devenu la France. Donc la France, c'est l'État, l'État, c'est la France. Et donc, on a cette continuité historique si longue qu'on a l'impression que ce n'est pas nécessaire de prévoir l'avenir parce qu'on est là, quoi. On est là éternellement. Au point même que la raison pour laquelle les Français sont si pessimistes sur l'avenir, comme vous savez, c'est très connu de dire, parce que c'est vrai que ça a été fait dans un sondage, que la France est le pays le plus pessimiste du monde sur son avenir, plus pessimiste encore que l'Afghanistan, ce qui est quand même un peu particulier. Mais mon explication à cela... c'est que nous avons une telle conscience, même si elle est implicite, du privilège extraordinaire que représente ce pays et ceux qui y habitent, que nous pensons, c'est formidable, mais ça ne va pas durer. Et donc, c'est justement par antiphrase, parce que nous avons une conscience de notre extrême privilège que nous sommes pessimistes. Non pas parce que nous avons le sentiment qu'on ne va pas progresser, mais le sentiment qu'on est si bien qu'on peut faire qu'être plus mal. Vous décrivez une France un peu ashkénaze. J'avais pas pensé à ce parallèle, mais je le fais.
Non, je crois que non, parce que les Ashkenazes, ce n'étaient pas des gens heureux. C'était des gens qui étaient malheureux et qui pensaient qu'ils ne pouvaient être que plus malheureux encore. Prenons le Japon. Le Japon qui s'était équipé pour prévoir, oui, pour structurer son avenir. Et vous dites finalement, moi je suis passé à côté du Japon, mais peut-être que le Japon est passé à côté de son avenir. On saura ça plus tard. En tout cas, le Japon a clairement décidé à un moment de cesser d'espérer être la superpuissance mondiale. Et il a fait le choix, alors est-ce un choix implicite ou explicite, de réduire sa population. Est-ce que c'est un choix parce qu'ils estiment qu'il faut descendre en dessous de 100 millions d'habitants pour vivre correctement dans une île, dans des îles surpeuplées, ce qui est possible, et qui vont s'arrêter quand ils vont atteindre 100 millions et se stabiliser, ou est-ce que c'est vraiment le déclin? Et c'est très important pour, plus généralement, parce que c'est un modèle extrême. Moi, j'ai dit tout à l'heure une phrase qui, pour moi, est la plus importante que j'ai, je me suis permis de penser, plus importante dans les banalités que je dis depuis tout à l'heure, c'est: notre vie consiste à essayer de devenir soi et à créer les conditions du devenir soi des générations suivantes. Mais il y a certains qui peuvent penser qu'il n'y a pas besoin de générations suivantes. Marx, Groucho Marx, disait, cette phrase si célèbre, « Je ne vois pas pourquoi je m'occuperai des générations suivantes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» C'est ce que disent beaucoup de Japonais, c'est ce que disent beaucoup d'Italiens aussi, c'est ce que disent en Europe la plupart des Européens. Génération suivante ne m'intéresse pas. Mais en fait, quand on y réfléchit, et le Japon nous donne l'exemple, s'il n'y a plus de génération suivante, notre vie à nous devient un enfer. Puisqu'il n'y a personne. Bon, d'abord, c'est moins drôle parce qu'il n'y a pas de maternité, il n'y a pas d'école maternelle, il n'y a qu'à des écoles primaires. Puis ensuite, il n'y a personne pour payer nos retraites. Et puis ensuite, le dernier vivant devra éteindre la lumière en partant. Mais en fait, il n'y aura plus de lumière depuis longtemps. Et donc, le dernier vivant, pour tous ceux qui sont dans cette salle, qui seraient dans cette hypothèse les derniers vivants, la vie se terminera dans un enfer. Donc, nous avons intérêt aux générations suivantes. Et c'est l'égoïsme dont je parlais tout à l'heure, cette idéologie populiste, capitaliste, bouddhiste, qui forme un mélange syncrétique extraordinairement dangereux, qui est cette dictature du court terme qui fait qu'on croit qu'on n'a pas besoin d'enfants, qu'on croit qu'on n'a pas besoin de s'occuper du climat, qu'on n'a pas besoin de financer les infrastructures. Si vous parlez de la France, c'est très frappant. Je voyais encore les chiffres hier soir. Nous investissons extrêmement peu dans notre avenir. De moins en moins. Nos infrastructures sont en train de se délabrer à une vitesse considérable. Nous avons tellement le sentiment que tout va bien qu'on laisse courir les choses. Donc, et pourquoi? Parce que France, quand on parle du rêve américain, tout le monde comprend. Quand on parle du rêve européen, tout le monde ricane. Quand on parle du rêve français, tout le monde éclate de rire encore plus. Alors que non, il y a un vrai rêve français. La France est un immense pays qui a toute vocation à être une superpuissance attractive. Si vous réfléchissez, nous sommes au cœur de l'Europe qui est aujourd'hui avec vocation à rester la première puissance du monde. Et parallèlement, nous sommes au cœur d'un ensemble francophone qui aujourd'hui a 170 millions d'habitants et qui en 2050, si on s'y prend bien, on aura 700 millions. Le grand changement qui vient, c'est l'Afrique qui va passer d'un milliard à 2 milliards d'habitants, dont la moitié aura moins de 18 ans. C'est ça. S'il y a un seul chiffre à retenir sur l'avenir, c'est celui-là. 1 milliard d'Africains de moins de 18 ans dans 35 ans, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons un potentiel extraordinaire d'être à l'articulation de la France et des deux ensembles dont nous faisons partie. Donc, mais pour ça, il faut prévoir et se donner les moyens de faire que ça réussisse. Quels sont les États ou les nations qui, de votre point de vue, et je voudrais aussi un exemple d'entreprise, se sont bien organisés pour embrasser ou affronter l'avenir, ou en tout cas s'y préparer? Est-ce qu'il y a des boîtes ou des pays qui sont mieux lotis que d'autres et qui regardent ça avec un peu plus de vista? Prévoir l'avenir ne veut pas dire ne pas se tromper, parce qu'on peut très bien prévoir l'avenir et se tromper. Les nations qui, à mon avis, regardent le mieux l'avenir, aujourd'hui, je dirais, dans un ordre différent, Singapour, la Corée, la Norvège, les États-Unis. Singapour, parce que c'est l'obsession du long terme, avec une stratégie toujours la même. Il faut attirer les étrangers, attirer les étrangers. Tout ce qui peut attirer les étrangers, bon, surtout les investissements étrangers. La Corée, parce que c'est l'obsession de 2060, quelle technologie, quel monde, quel urbanisme. Et donc vraiment beaucoup, beaucoup d'argent mis sur l'éducation,
beaucoup d'argent mis sur les technologies, non pas demain, mais d'après-après-demain, avec un effort très systématique. La Norvège, parce que c'est le pays pétrolier qui a le mieux géré son argent, mis de côté toutes les réserves pétrolières, tout l'argent, pas dépensé, et il gère à peu près un fonds de 1 000 milliards qu'il pourrait distribuer à la population, comme font certains pays pétroliers, ils ne le font pas. Et plus encore, non seulement ils ne le font pas, mais ils n'investissent à l'échelle de la planète que dans des entreprises durables. Donc ils ont aussi le rôle du capitalisme patient de long terme. Et les États-Unis, parce que les États-Unis qui sont en apparence le chantre du long terme, de l'immédiat, en fait ils ont derrière, en back-office, des institutions extrêmement puissantes qui parlent du long terme, qui ne pensent que long terme. Je citerai par exemple la NASA, qui vraiment parle à 40 ans. Je citerai Boeing, qui résonne à 50 ans. Et une institution cruciale aux États-Unis, qui est assez mal connue, qui s'appelle la DARPA, qui est la structure de conception du système militaire américain, qui a un site internet, on peut aller voir ce que c'est, mais qui vraiment pense les évolutions technologiques pour le militaire et avec ses retombées civiles. Donc il y a une vraie réflexion. Et puis il y a cette confiance dans l'avenir qui fait qu'on accueille des étrangers. Un pays qui n'accueille pas des étrangers a du mal à concevoir l'avenir. Le cas de la Corée est un cas particulier, puisque la Corée, elle, n'accepte pas d'étrangers, mais quand même pense son avenir en ayant explicitement un refus de l'étranger. Avant qu'on évoque... J'ai pas répondu sur les entreprises. Si, d'une certaine façon, la NASA, la DARPA, mais justement, j'allais vers Google et cette façon qu'a Google de se projeter dans l'avenir avec ce que certains appellent une idéologie du transhumanisme qui rejoint une partie des choses que vous avez dit sur la data. Mais Google est l'exemple type de l'entreprise dont le discours institutionnel se fait au futur. Pour moi, une entreprise qui prévoit l'avenir, enfin qui structure son avenir, c'est une entreprise qui est capable de se donner une mission générique indépendamment des produits qu'elle produit. Par exemple, pour moi, une entreprise absolument majeure dans sa capacité de se structurer, c'est le Cirque du Soleil. Elle s'est donné une mission, distraire par le spectacle vivant, et elle le fait en se renouvelant en permanence. Mais une mission. Vous avez d'autres entreprises qui se sont donné la mission d'incarner le luxe, qui le font, et le luxe, voilà, c'est le luxe. D'autres qui se sont donné comme mission de nourrir, chacun à sa façon. Google, oui, le transhumanisme est une de ses dimensions, mais j'ai passé beaucoup de temps avec les dirigeants de Google pour comprendre leur mission. Et l'un d'entre eux m'a dit, au bout d'une conversation, finalement, notre mission, c'est de guider l'humanité. Je lui ai dit, vous savez comment on dit ce mot-là en allemand ? Il m'a dit, oui. Et quand vous regardez tous les métiers de Google, vous apercevez que tous les métiers de Google sont des métiers de guide. Évidemment, le site, le moteur de recherche, mais aussi la voiture. Et en matière de santé, c'est tout ce qui va nous guider vers des comportements qui nous conduiraient à vivre longtemps. Donc, cette fonction de prescription, de guide, et au fond, le politique, c'est le guide. Donc, il y a une volonté englobante qu'on retrouve là. Ce qui est exactement l'antinomique de la vision qu'on peut voir chez Facebook, qui est plutôt mettez-vous en réseau et guidez-vous vous-même. C'est deux univers idéologiques très, très différents. Je parierais plus sur Facebook que sur Google. Pourquoi ? Parce que les deux ont une puissance considérable. Mais parce que je crois que nous entrons dans un monde où on va se rendre compte que la seule chose rare, c'est le temps. L'énergie n'est pas rare, c'est un mensonge. On ne devra plus consommer de pétrole, non pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'il ne faut pas le consommer. Pas parce qu'il n'y en a pas, il y en a plein. L'énergie n'est pas rare, les idées ne sont pas rares. Si je vous donne une idée, je l'ai encore, donc ce n'est pas rare. La seule chose rare, c'est le temps. Et donc, le temps qu'on passe ensemble, c'est la seule chose qui a de la valeur. Et le modèle de Facebook est un modèle qui valorise de plus en plus le temps passé entre les gens. Donc, je crois que ça, c'est l'avenir. Avant qu'on passe aux questions, je crois qu'on a deux séries de questions. Les questions des étudiants. On a, je crois, des étudiants qui sont armés de questions. Et puis, les questions de la salle, évidemment. Revenons, pour clore notre discussion sur la prévision, sur ces méthodes, chiromancie, astrologie, que vous évoquiez en disant elles font sens. Avant, je voulais ajouter une phrase, si vous permettez, sur un point que j'aurais dû développer plus tôt, c'est l'importance en démocratie d'avoir des projets.
Moi, je suis très, très inquiet de voir un peu partout en Europe, et en particulier dans notre pays, que la vie politique se réduit à des querelles de personnes et pas de projets. Nous avons des élections dans une semaine, enfin dans trois jours maintenant. Personne n'a la moindre idée des programmes des candidats pour... Et tout le monde s'en moque. Programme des candidats pour les élections régionales. Les seuls projets, c'est des stratégies anti. Voilà. Et je pense que la démocratie mourrait si nous continuons comme ça et si les prochaines élections présidentielles en France ne sont pas des élections sur des projets. Et pourquoi d'ailleurs je me suis mis dans l'obligation de produire un programme présidentiel en février prochain, non pas pour prétendre que ce sera le seul disponible, mais pour montrer qu'il y en aura un et pour pousser tous ceux qui ont volonté, vocation ou ambition d'être président de la République à ne pas se contenter de combattre les autres ou d'émettre des sarcasmes sur quoi que ce soit, mais d'avoir un projet et dire la France de 2022, à la fin de mon mandat, ça sera quoi? Et d'ailleurs, nous avons fait avec quelques amis un site qui s'appelle France 2022, où nous invitons, et beaucoup de milliers de Français ont déjà commencé à s'inscrire, à travailler, à proposer des idées, pour dire comment ils veulent voir la France de 2022 et quelles réformes faut-il faire entre 2017 et 2022 pour y arriver. Et pour l'instant, vous n'excluez rien? Non, je n'exclus rien, mais j'espère vraiment, et je suis presque certain que les gens seront raisonnables et que tous les partis politiques auront des candidats avec des programmes. Voilà. C'est des candidats, ils en auront avec des programmes, voilà. C'est une autre paire de manches. Et c'est à ce à quoi nous emploierons. Alors sur les méthodes dont vous avez parlé, elles sont toutes fascinantes. Moi, je les ai racontées en détail dans mon livre. Les méthodes liées au hasard. Prenez par exemple le jeu de tarot. Si vous prenez le jeu de tarot, a priori, le jeu de tarot, ça peut paraître complètement loufoque. Tirer les cartes. Mais en réalité, si quelqu'un qui tire les cartes de tarot est honnête, et il y en a, la façon de tirer les cartes consiste à sortir deux cartes d'abord, et ces cartes symbolisent des concepts. En vous mettant face à ces concepts, celui qui a tiré les cartes vous amène à dire quelque chose sur la façon dont ces concepts vous parlent. Et la façon dont vous allez parler est exactement le même travail de maïeutique que vous auriez fait face à un psychanalyste. Et progressivement, ces deux cartes vont amener d'autres, vous amènent à sortir d'autres concepts, peu importe les cartes, mais toutes les cartes portent sur des concepts, et c'est ça l'intérêt du tarot qui a été, avec les siècles, c'est pas un jeu très ancien, mais enfin, a été habilement constitué en créant la condition que chaque carte incarne vraiment un concept fondamental dans le comportement humain ou dans la destinée humaine, qui nous permet d'aller chercher au fond de nous l'avenir. Le diseur d'une bonne aventure n'est rien d'autre que quelqu'un qui vous fait accoucher vous-même de votre... Et on retrouve ça dans les techniques tibétaines ou dans les techniques africaines, qui sont aussi des techniques de hasard, le hasard étant une forme de choc qui vous pousse à aller chercher au fond de vous-même la réflexion sur l'avenir que vous ne voulez pas faire. Bien, est-ce que vous voulez poser des questions? Si vous n'en avez pas, moi j'en ai plein, mais je suis sûr que certains d'entre vous en ont préparé de longue date. C'est ce qui m'a été garanti et promis par les organisateurs. Bonjour monsieur. Bonjour. J'arrive, ou quelqu'un va arriver avec un micro. Il est là au premier rang et il a un badge rouge sur la poitrine. Bonjour. Anthony Bujat, je suis jeune chef d'entreprise et je me posais une question quant à la sphère politique et à son environnement. Est-ce que vous pensez qu'elle est aujourd'hui adaptée pour penser un modèle de demain? Si elle n'est pas adaptée, si vous considérez qu'elle n'est pas adaptée, faites de la politique. La politique n'est que ce qu'on accepte qu'elle soit. Et il est vrai que si on raisonne dans le cas spécifique français, notre classe politique est en train de baisser de qualité à très grande vitesse. Question suivante ou... Non, je continue. Pardon. Elle est en train de baisser de qualité à très grande vitesse parce que c'est plus du tout drôle de faire de la politique, c'est pas intéressant, on reçoit plein de coups. Et en raison de la mondialisation, des privatisations, de la montée de l'Europe, le politique a beaucoup moins de pouvoir, sauf dans les villes. C'est pour ça que d'ailleurs les hommes politiques de la plus grande qualité sont maires ou
tente de devenir président de région, parce que là, il y a un pouvoir réel, avec une stabilité dans le temps, dans lequel on peut faire des choses. Mais la politique est de plus en plus un métier qui n'attire pas des gens de talent, et c'est très... Je ne dis pas les diplômes, ce n'est pas la question, et en particulier de moins en moins les gens de l'entreprise, ce qui évidemment la réduit à une consanguinité qui fait que jusqu'il n'y a pas longtemps, les hommes politiques étaient des énarques, et maintenant c'est des assistants parlementaires, ce qui n'est évidemment pas une évolution forcément très positive. Mais ça doit changer, parce que l'histoire revient à grande vitesse, et l'histoire, après 60 ans de tranquillité en Europe, nous apprend que le monde est tragique. Et face au monde tragique, nous avons besoin d'hommes d'État et pas d'hommes politiques. Il va falloir une vision, du courage, la volonté de porter plus loin ce pays, et je sens venir une demande qui peut être très dangereuse, si elle est prise de façon caricaturale, d'hommes forts ou de femmes fortes, d'autorité, de vision, de fierté, d'ambition, qui peut être traduit de façon caricaturale ou de façon positive. Il y a un vrai besoin de politique en Europe. Question suivante. Oui. Levez-vous, prenez le micro, présentez-vous et copiez sur votre prédécesseur qui a posé une question courte avec D'accord. un point d'interrogation. Très bien. Bon, bonjour. Bonjour. Juste, j'ai relevé quelques éléments. Monsieur Attali, vous dites, on pense au moi. D'accord ? Et après, il y a liberté. Donc, c'est un peu contradictoire. Alors, je vais revenir sur... Non, ce n'est pas contradictoire, monsieur. Permettez-moi D'accord. de vous interrompre. La vieille phrase ancienne qui dit que la liberté s'arrête là où commence celle des autres suffit à résumer tout cela. Nous devons créer les conditions d'être libres, mais sans que notre liberté nuise à la liberté des autres. Donc on ne parle pas d'égoïsme, là. L'égoïsme est justement fait de la négation de ce que je viens de dire. La liberté n'est compatible avec la vie en société que si la liberté s'affronte et se limite aux contraintes de la liberté des autres. Sinon, en effet, la grande tentation générale aujourd'hui de l'égoïsme, qui est quelque chose que je combats, conduit à nier la liberté des autres. Bien, et ma toute dernière question. Alors, la France est un grand pays, un très très grand pays. Bon, j'ai relevé, tout simplement, je dirais, des suggestions. La France doit se réinventer. La France doit se repenser. La France doit faire preuve d'humilité. Alors, pour moi, pourquoi ? Je suis étudiant, ville des Lumières, pays des Lumières, des droits de l'homme. Par terre, pourquoi ? Parce que n'importe quelle idée, n'importe quel produit qui se crée va atteindre son paroxysme et puis va aller dans la période descendante. On est à ce niveau-là. Et je pense que la France a tous les atouts, mais véritablement tous les atouts, tout simplement en acceptant de faire participer le plus grand nombre. Le plus grand nombre, quand on reprend en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Il vient du peuple pour aller donner aux autres là-haut. Mais ceux qui sont là-haut sont des citoyens. Mais si on donnait la parole à ceux qui vivent au quotidien, ces citoyens qui font la vie au quotidien, qu'ils soient impliqués. Impliqués, c'est la transparence. Que le pouvoir puisse repartir de manière, je dirais, verticale. Et je remercie nos jeunes de France, qui ont pris le pouvoir. Ils n'ont pas attendu les anciens. Ils ont pris le pouvoir, et c'est une très bonne chose. Voilà, c'était pour signaler cela. Je vous remercie. Je voudrais juste relever dans votre exposé, qui n'était pas une question, que vous demandiez à la France d'assumer sa décadence et son déclin. Je pense qu'elle doit surtout faire le contraire. Question suivante. Alors, il y en a une là et ensuite la demoiselle ici. Alors, bonjour, monsieur Attali. Édouard Avis, UNICESTEM, École de la double compétence. Je fais partie du panel. Vous parlez d'une dictature prédictive à la fin de votre livre, juste avant de parler des méthodes pour prédire soi-même son avenir, le prévoir en tout cas. Vous parlez du fait qu'elle deviendra absolue, mais dans quel sens ? Est-ce qu'elle sera absolue seulement dans le fait où elle sera présente
Elle sera omniprésente dans la société, ou en plus, elle sera aussi absolue dans son efficacité? Est-ce qu'elle prédira absolument ce qui l'adviendra? Non. D'abord, elle ne peut pas être absolue dans ce qu'elle est capable de prédire, parce qu'on peut, chacun d'entre nous, on a la possibilité d'y échapper et de décider quelque chose que la machine n'aurait pas prévu. Non. Mais elle a vocation à être absolue dans tous les domaines de notre vie, et on le voit de plus en plus, parce qu'elle est présente dans un nombre croissant de domaines à la demande des citoyens. Et c'est ça la raison qui m'amène à penser qu'elle va être très présente, c'est que chacun d'entre nous sera de plus en plus demandeur d'être prévu. Parce que nous avons cette jouissance de la servitude que le grand ami de Montaigne avait décrit, nous donne une certaine sécurité dans le sentiment de quelqu'un s'en occupe à notre place. Et on le voit, chaque fois qu'il y a une vraie menace, on a envie que quelqu'un s'en occupe. Donc il y a une forte tendance pour que cela se produise. Je crois que la seule façon d'y échapper, c'est justement de combattre le fait d'être imprévu par le fait de prévoir soi-même et de créer les conditions en prévoyant soi-même pour échapper à la fatalité. C'est une vieille histoire que, dans la philosophie, qu'on trouve depuis 3000 ans, entre la grâce et la liberté, entre le fatalisme et le libre arbitre. C'est une vieille histoire. Et je crois que la bataille, le fatalisme et la grâce s'inscrivent maintenant dans la statistique prédictive et pas seulement dans le religieux, mais le libre arbitre continue d'être essentiel. Et je crois que la grande novation d'aujourd'hui, c'est de devoir introduire la liberté des générations suivantes. Si nous ne sommes pas capables de penser la liberté des générations suivantes comme une des conditions de notre liberté, on n'est pas libre. Et pour ça, il faut vraiment profondément ressentir comme un élément de son propre bonheur le bonheur des autres. Je ne trouve pas de meilleure comparaison que l'attitude des parents. Nous devrions tous nous comporter à l'égard de tous les êtres humains comme s'ils étaient nos enfants. Ce n'est pas une formule prêchi-prêcha que je dis là, c'est une formule rationnelle. Si, à l'égard de nos enfants, nous prenons tous de temps en temps des choix qui ne sont pas les meilleurs pour nous parce qu'on a envie de faire quelque chose, mais l'intérêt de nos enfants nous amène à faire autre chose. Si nous acceptions de penser, et nous en sommes heureux parce qu'on a le sourire des enfants, parce qu'on a l'impression d'être utile, parce que c'est des enfants, etc. Si nous acceptions de penser que l'humanité tout entière sont nos enfants, dans notre comportement quotidien, le monde serait immédiatement totalement transformé. Et c'est vrai pour l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'absurdité d'un monde sans génération suivante. Donc, assumer cette nécessité de prévoir dans nos comportements les conséquences sur les générations suivantes donne à la prévision personnelle une force qui dépasse celle des prévisions statistiques. Une question de mademoiselle ici. Bonjour monsieur. Allô ? Non, non, parlez bien dedans, vous le posez sur votre menton comme ça et vous... Bonjour monsieur Attali, Charlotte Contasso de l'ISTH du groupe IONIS. Aujourd'hui, dans le cadre de la préparation à l'entrée au concours Sciences Po, nous avons deux thématiques principales qui s'élaborent autour de la démocratie et de l'école. De ce fait, je souhaite vous poser une question sur cette thématique qui est l'enseignement et l'évolution de l'enseignement sur, peut-on prévoir l'avenir de l'enseignement et notamment de la laïcité. Ma question est donc, que pensez-vous de l'évolution de la laïcité au sein de l'école républicaine pour les années à venir ? La laïcité, c'est un combat. C'est un combat permanent pour maintenir ce qu'elle est, c'est-à-dire l'obligation de faire comprendre que le phénomène religieux est un phénomène privé, qui doit être extérieur à l'école et extérieur à la vie publique. C'est un phénomène privé, c'est ça. Et la laïcité, c'est le maintien de cette idée. C'est en tout cas la conception française, conception qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays où l'école est religieuse dans sa présence dans l'enseignement, mais la conception française est celle-là et je crois qu'elle est essentielle si l'on veut éviter d'en arriver à une société fragmentée, compartimentée entre différentes communautés. Le communautarisme qu'on voit dans d'autres pays
nous menace, malgré notre choix de laïcité et de société qui laisse le religieux du côté privé. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment un trésor national à défendre. Sur l'école, je dirais que, plus encore qu'à mon sens, le cœur de l'école aujourd'hui, c'est l'école maternelle. C'est là que tout se joue. C'est là que se joue aussi la laïcité. Si vous regardez aujourd'hui les enfants à l'âge de 6 ans, 7 ans, il y en a qui parlent, qui possèdent 1500 à 2000 mots et il y en a qui possèdent 250 mots. Leur destin est d'une certaine façon tracé. On peut dire qu'on peut aussi prévoir leur avenir grâce à cette dimension-là. Et donc, si l'école a une mission de démocratie, et en particulier de créer les conditions d'un apprentissage du savoir qui permet de donner du sens à la laïcité, c'est à l'école maternelle que ça se joue. En créant les conditions d'avoir, pour les familles qui n'ont pas la possibilité de faire que l'environnement familial permette de mettre les enfants face à 2000 mots à l'âge de 6 ans, d'avoir un encadrement scolaire qui le permette. Tout se joue là. Et naturellement, comme les élèves de maternelle ne votent pas, qu'ils ne font pas de grève et que leurs professeurs sont peu nombreux, aucun gouvernement ne donne de l'argent à l'école maternelle. Et pourtant, c'est là l'essentiel. Question au premier rang ici. Bonjour Monsieur Attali, Christophe Guenassia, président du CORD. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit qu'il y a un retour de la recherche du sens. C'est une forme de prévision. Il y a aussi un retour fort de la religion. Mais quelle est la place du religieux dans cette recherche du sens comme solution actuellement, surtout dans le contexte actuel? Chacun doit le chercher en lui-même. Et le religieux doit rester, me semble-t-il, une recherche personnelle. Chacun peut avoir une réflexion sur le sens de sa vie et l'inscrire dans une conception théologique. Mais ça doit rester de l'ordre de l'intime. Question là-bas d'un monsieur qui est à l'extrême gauche et là au centre droite, il y a trois questions. Bonjour, donc Charlotte Dulieu, élève à l'ISTH. Je voulais vous poser une question concernant la montée de l'islamisme radical. Est-ce que vous pensez qu'elle représente une menace pour le système démocratique français? Non. Oui, tout ce qui crée les conditions pour forcer l'État à devenir totalitaire est une menace pour la démocratie. Et il y a certainement un engrenage qu'on a vu immédiatement après les attentats et la déclaration de l'état d'urgence qui nous y amène. Maintenant, lorsqu'on regarde les faits, ce qui menace notre démocratie, c'est les conditions qui ont créé ce mouvement dont vous parlez, qui est plutôt, de mon point de vue, une islamisation de la radicalité qu'une radicalisation de l'islam. Et je reprends une formule d'Olivier Roy que j'ai trouvée très juste il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a un extrême désespoir dans certaines parties de la société française et internationale, mais en France, qu'on peut comprendre. Une partie du travail de l'ONG que je préside, Positive Planète, c'est de travailler dans les quartiers en France. Nous travaillons en 80 pays, nous travaillons aussi dans les quartiers. Moi, je comprends très bien, sans du tout excuser les fous qu'il faut combattre, bien sûr, mais je comprends très bien que quand on vit dans un univers où on sait que 12% des Français sont chômeurs, 25% des jeunes Français sont chômeurs, mais 55% des jeunes des quartiers sont chômeurs, et que c'est durable, je comprends très bien qu'on veut y échapper. Alors certains y échappent par le haut, en créant leurs entreprises, en se développant, et le travail que nous faisons avec beaucoup d'autres y aide. Mais le désespoir est là. Donc, la réponse, c'est la croissance, c'est la justice sociale, c'est le respect à l'égard de ces gens. C'est le fait de créer les conditions pour que être musulman en France ne soit pas aussi difficile que ça l'est aujourd'hui. C'est une longue bataille. Alors, je ne dis pas qu'il faut excuser quoi que ce soit. Non, bien sûr, cette folie doit être combattue. Mais si on veut la combattre, ce n'est pas seulement en allant éviter tel ou tel attentat quand on peut l'éviter. C'est de créer les conditions pour que ça n'ait pas lieu, pour que ça n'ait pas de raison d'avoir lieu.
Et pour ça, ça passe par la croissance économique, la lutte contre le chômage, les professeurs dans les classes maternelles, le respect montré aux uns et aux autres, et le fait de ne pas avoir peur. Madame. Ah, monsieur. Bonjour. Pardon, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que, dans toute chose, il y avait un produit et que quand quelque chose était gratuit, nous étions nous-mêmes le produit. Quand on est un produit, on peut se demander de qui on est le produit. Et je me demande si les gens dont nous sommes le produit n'ont pas écrit leur nom ici. Vivendi, donc Canal+, iTélé, qui formatent nos esprits. Carrefour, qui a détruit petit à petit avec ses autres sociétés de distribution le tissu industriel et agroalimentaire, enfin agriculture française, pour fournir des produits de Henkel que l'on achète en contractant des dettes auprès de Generali. Alors, ma question est la suivante. Merci. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui doit nous amener à penser que l'on est ici pour discuter d'un nouveau modèle de société financé par des gens qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que le modèle de société ne change ? Merci. À ma connaissance, vous n'êtes pas payé pour être là, et moi non plus. Nous sommes là parce que nous avons envie d'être là pour échanger. Et... il arrive que des entreprises aient envie de montrer leur bon côté en finançant ce genre d'activité. Ça s'appelle la RSE. Alors, dans la RSE, il y a... Lui, il a dit clairement greenwashing. Hein. Il ne l'a pas dit, mais il dit que c'est du greenwashing. Mais moi, j'appelle ça aussi cracher dans la soupe, parce qu'on est là quand même grâce à des partenaires, grâce à des financements publics ou privés. Bon, j'ai pas terminé ma réponse, donc... Sans eux, vous n'auriez pas le privilège de m'entendre et je n'aurais pas eu le privilège de vous entendre. Donc, ça mérite quand même de le leur dire. Et j'ajoute qu'il y a en effet, il faut avoir conscience qu'il y a en effet ce risque. Moi, je vois souvent des entreprises qui font du RSE parce que ça coûte moins cher de faire du RSE que de se payer une campagne de publicité. Mais on n'est pas longtemps dupe. Et je crois qu'au contraire, les entreprises... comme celles que vous avez citées, et j'en connais beaucoup de leurs dirigeants, ont une vraie volonté de comprendre le monde comme il va et de créer les conditions pour aider à ce que ça change, évidemment pour se rendre eux-mêmes tolérables, mais pour eux-mêmes créer les conditions de leur propre évolution. Leur propre révolution. Et si vous voulez accélérer cette révolution, eh bien, entrez dans l'une d'entre elles et faites en sorte d'en devenir un dirigeant. Monsieur. Claude Foulon, agriculture en environnement. Je voulais vous parler de science et de bactéries et du science du vivant, mais vaste débat. Moi, monsieur Attali, comme j'ai la chance d'avoir le micro ce jour, je voudrais simplement vous poser la question suivante. Si je vous donne le pouvoir pendant 24 heures, l'argent et le pouvoir sur le plan mondial, en une phrase, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour nos contemporains ? Eh bien, d'abord, c'est un fantasme absurde parce que ce n'est pas possible. Et ensuite, ce n'est pas en 24 heures qu'on peut changer les choses. S'il y a une mutation culturelle majeure à laquelle il faut aller, puis après j'essaierai quand même de me plier à votre exercice et d'y répondre, c'est d'aller vers une évolution où on comprendrait que nous avons intérêt au bonheur des autres et que nous avons en particulier intérêt au bonheur des générations suivantes. C'est ce que j'appelle l'altruisme rationnel. La forme la plus intelligente de l'égoïsme, c'est d'être altruiste. Donc, si j'avais un coup de baguette magique à donner, ce serait de faire comprendre à chacun d'entre nous, et ça commencerait par ceux dans cette salle, ce serait déjà beaucoup, que vous avez intérêt au bonheur des autres. Essayez de pratiquer ça pendant un certain temps, vous verrez. Maintenant, si j'avais tous les moyens du monde pendant 24 heures, et seulement 24 heures, je pense que j'utiliserais tous ces moyens-là pour... ramasser toutes les armes disponibles et les faire disparaître. Je
Il y a des gens qui râlent, hein, parce qu'ils n'ont pas encore posé leurs questions. Et comme le dit Attali, le problème, c'est le temps. Je vous remercie. Je m'appelle Garabagui. Je suis ancien fonctionnaire de l'UNESCO. Et actuellement, je suis dans la recherche. Et il y a quelques années, j'ai publié un article sur l'Union européenne en quête de sens. À ce moment-là, je me suis penchée sur ce projet et très valeureux, et qui était la recherche de la paix, ce qui avait créé, qui était à l'origine de l'Union européenne. Et j'ai constaté que peut-être que ce projet qui était très mobilisatrice, je me demandais si elle posait sens toujours pour la jeunesse. Bon, il faut dire que pour l'Union européenne, elle a réussi puisqu'elle a obtenu la paix et ce projet était valable. Mais je me suis demandé, maintenant l'Union européenne ne va pas bien. Et qu'est-ce qui pourrait lui redonner sens? J'avais pensé peut-être à tort qu'il fallait... Ce projet de paix était merveilleux et qu'il fallait l'étendre à la planète. Et aujourd'hui, bon, la situation ne va pas bien. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez. Bon, vous venez juste de répondre qu'il fallait faire un désarmement. Qu'est-ce que vous verriez comme projet pour l'Union européenne pour la rendre remobilisatrice? D'abord, l'Union européenne aurait tort de prendre pour acquis ce qu'elle a. C'est comme un enfant qui fait du vélo, il commence à avancer, et puis il trouve que tout va bien, et il dit à son père ou à sa mère, laisse-moi tranquille, je me débrouille tout seul, et il finit par tomber. L'Union européenne est dirigée aujourd'hui pour la première fois, si vous prenez la totalité des dirigeants européens, c'est la première fois, et ça devait arriver, qu'aucun dirigeant européen n'a connu la Seconde Guerre mondiale. Et donc, n'ayant pas connu la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas un sentiment de tragique. Ils pensent que c'est pour toujours. Moi, je vous le dis, si Schengen disparaît, l'euro finira par disparaître. Et si l'euro disparaît, dans moins de 20 ans, il y aura une guerre franco-allemande. Nous reviendrons à nos vieux démons. Donc, rien n'est garanti. Donc, nous devons continuer déjà à savoir, c'est pour ça que quand j'ai parlé de désarmement, j'ai tout de suite pensé au contre-argument qui consiste à dire, en effet, si les hommes n'ont plus d'armes, ils finiront par se battre à coups de poing, parce que la tentation sera grande de continuer à se battre quand même. Donc, il faut savoir que l'homme a cette dimension meurtrière et suicidaire qui est là, et que si on ne met pas en place des institutions pour le canaliser sa violence vers autre chose, il finit par y revenir. Et donc, le premier projet de l'Europe, c'est de maintenir l'Europe, de se rendre compte que c'est la première fois depuis 2000 ans que nous n'avons pas de guerre dans ce continent. Et déjà, c'est un immense projet que de le maintenir. Et pour le maintenir, il faut continuer. Il faut s'intégrer davantage. Il faut mettre en place davantage de règles ou de droits communs. Il faut partager davantage de choses. Il faut intégrer nos voisins pour qu'on vive cela ensemble. Déjà cela, dans un monde d'une extrême violence, c'est un projet. Bien. Il est midi et demi, il n'y a plus de questions. J'adore ce murmure de contestation, un peu de colère qui monte. Et donc j'attends des instructions, parce que je ne prends aucune initiative, de la commandanture de cet événement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Combien? 7. 10 minutes. 7, parce qu'il faut, il faut qu'on soit vous et moi et eux un peu frustrés. D'accord. Alors il faut un peu qu'on soit... Ouais, d'accord. Encore deux questions alors. Mais posez des questions courtes et ne faites pas d'exposé. Voilà. Monsieur Attali, merci. Vous avez dit, en parlant de bouddhisme, d'une idéologie de l'instant. Voilà, je suis Denise Dutin. J'ai rencontré le bouddhisme il y a 37 ans et je voulais vous donner une phrase du Bouddha. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Alors, je voulais dire que vraiment, le bouddhisme... voilà, j'ai toujours eu une recherche un peu religieuse. Toute petite, je me posais la question comment était possible que les hommes puissent faire les camps de concentration et tout ça. J'ai toujours eu un esprit de recherche. Et en rencontrant le bouddhisme, lorsque l'on pratique le bouddhisme, on travaille sur ce qu'on appelle... Enfin, il y a plusieurs formes de bouddhisme, donc dans le mien, on travaille sur l'égoïsme, sur l'orgueil et l'avidité et l'ignorance de la vie. Et en fait, ça amène vraiment, à travers plein d'expériences,
ça amène la compassion, la dignité de la vie, ne plus Madame, avoir je peur. Suis pas, je ne suis pas à convaincre, je m'excuse de vous interrompre parce que vous avez posé une... Je voulais comprendre pourquoi vous mettez le capitalisme, le bouddhisme, enfin le bouddhisme en l'occurrence, dans une idéologie de l'instant, c'est-à-dire moi maintenant, moi d'abord, au détriment de l'autre. Parce que moi j'ai juste C'est extrêmement simple, madame. Voilà. Dans une vision caricaturale du bouddhisme, on en reste à la phrase que vous avez vous-même citée, qui est une apologie de l'instant au détriment du long terme. Vous l'avez citée vous-même. Bien. Autre question. Ne criez pas, hein, sinon on éteint la lumière. Mais non, c'est une prise de pouvoir non démocratique. Vous attendez d'avoir un micro et une hôtesse. Je suis désolé. Alors, il y a une gouvernance. Donc, donnez un micro à ce monsieur. Au moins, ça lui donnera une légitimité pour poser sa question et de l'amplification. Bah oui. Bonjour. Nathalie, bravo pour votre exposé. Alors, vous nous dites que notre devoir est de prévoir l'avenir afin de préserver pour nous tous et nos descendants des vies d'hommes et de femmes libres. Je suis vigneron. Alors, nous subissons l'oppression de nos gouvernants, quelle que soit leur couleur politique, qui s'ingénient à nous accabler d'un fatras de lois et de décrets qui nous oppresse et nous empêche de travailler et de créer. Qu'est-ce que vous trouvez à cela? Je pense que dans 20 ans, toute l'agriculture française devra être bio ou elle aura disparu. Ben, il est bio. Pour que toute l'agriculture française devienne bio, il faut des règlements. Alors, je ne connais pas votre cas particulier, je ne sais pas si vous avez des règlements excessifs ou pas, je serais ravi d'en parler en privé avec vous, mais la mutation de l'agriculture française vers une agriculture bio, non pas anecdotique, mais universelle, exige des mutations réglementaires considérables. Je pense d'ailleurs en particulier, en même temps, que non pas dans 20 ans, mais dans 50 ans, nous serons tous végétariens. Bien, vous l'êtes déjà? Un végétarien, une question d'un végétarien, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Presque sur le végétarisme. Bonjour, Antoine Martin Schaff du GRES, une ONG française. C'est quoi le GRES? Le GRES, c'est des énergies renouvelables, lutter contre la pauvreté, protéger l'environnement, faire de la solidarité climatique. Super. Donc, ma question est beaucoup sur la COP21, donc ouvre vers la notion de végétarisme et de changement de nos consommations. Vous avez dit tout à l'heure que les entreprises ou les démocraties, les sociétés ne peuvent se structurer qu'en envisageant leur avenir et pour ça il faut qu'elles aient une vision, une mission, un projet. Ma question concernant la COP21, c'est pensez-vous que actuellement les dirigeants qui y sont, les négociateurs qui y discutent, ont une vision suffisamment claire, suffisamment bien formulée pour sortir de l'absurdité du fossile actuel? Et un clin d'œil, puisqu'on est dans une ambiance mon enfant, tout à fait personnel. On envisage avec votre équipe une intervention de vous demain soir au Grand Palais. Si je peux m'en entretenir une minute avec vous après votre intervention, ça serait formidable. Merci beaucoup. C'était incroyable la somme des égoïsmes qui sont réunis dans une salle où on doit parler de l'altruisme. Entre ceux qui défendent leur bouddhisme, ceux qui veulent tracter avec... les anti-sponsors, etc. Chacun voit midi à sa porte dans une grande conférence de la philanthropie collective. J'étais déjà au courant et j'avais déjà dit oui. Donc, pour ce qui est de la COP21, c'est très difficile d'avoir un accord avec 100 et quelques pays. Et c'est d'autant plus difficile qu'on a commis l'immense erreur, à mon avis, de rendre, ce qui était très difficile de faire autrement, hein, de rendre public les textes successifs. Quand vous êtes à deux ou trois en train de négocier, vous pouvez faire un compromis si le texte n'est pas public. Mais si le texte est public, vous devez en permanence rendre compte à vos mandants des concessions que vous avez faites. Et là, c'est perdu. Dès qu'une négociation est publique, elle est perdue. Bon, on l'a rendue publique, on connaît tous les crochets et tout ça. Donc, il y a des gens qui vont devoir expliquer pourquoi ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils allaient avoir. Donc, je pense que malheureusement, ça va être très difficile à avoir un accord sur les points essentiels. Et les points essentiels, c'est 100 milliards. C'est-à-dire les 100 milliards annuels à redistribuer, et c'est le prix du carbone. Le reste, je ne dis pas que c'est du bavardage, mais si on n'a pas 100 milliards par an pour redistribuer aux pays pauvres
pour faire les progrès techniques nécessaires. Et si on n'a pas un prix du carbone au moins à $50 maintenant et à $100 dans 10 ans, alors la COP21 aura échoué, il faudra attendre la COP22 et peut-être attendre autre chose qui viendra, peut-être trop tard, mais qui viendra, c'est le progrès technique. Je suis absolument convaincu que la vraie réponse au changement climatique vient de nos comportements culturels, de ce qu'on fera nous-mêmes, de la façon dont on se conduira, et du progrès technique qui fait que très, très bientôt, moins vite peut-être qu'on le voudrait, mais on utilisera de l'information au lieu de l'énergie, on n'aura pas besoin de se déplacer autant qu'on le fait, on aura énormément de changements qui vont venir grâce aux progrès techniques, non seulement dans l'économie de l'énergie, mais aussi dans des nouvelles sources d'énergie. Si on trouve une solution au stockage de l'énergie, c'est fini, on n'a pratiquement plus besoin de pétrole. Si on transforme une utopie technique qui est une grande question, qui est ce qu'on appelle la fusion froide en réalité, alors on a vraiment réglé le problème de l'énergie. Donc le progrès technique va être majeur. En attendant le progrès technique, la vraie décision qui devrait être prise, c'est le prix du carbone. Et malheureusement, je crains qu'elle ne le soit pas. C'est la dernière question qu'on va prendre, donc elle a intérêt à être bien, bien costaude. Si on peut avoir un équilibre entre les garçons et les filles. Oh, elles ont parlé. Les garçons ont parlé, là, beaucoup, mais les filles aussi. Je trouve pas. Alors, bonjour, Bruno Zobeck, étudiant en CELSA, et non, j'ai pas changé de sexe, donc je suis un garçon, désolé. Personne n'est parfait. Exactement. Une question pour faire très, très simple, on n'a pas le temps. Dans votre méthodologie de prédiction d'avenir, vous dites que vous placez l'individu au même niveau que les institutions et que l'État pour prédire son avenir. Mais là, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Enfin, j'ai un peu peur parce que l'individu au sens d'Anna Arendt, c'est quelqu'un d'imprévisible, d'irrésistible et d'infini. Pour moi, un État, ce n'est pas pareil. Enfin, c'est juste là. S'il vous plaît, rassurez-moi, dites que l'individu quand même peut être plus libre qu'un État, qu'on... Faut mettre un peu des nuances. Le garçon a peur. J'ai très très peur. Il est inquiet. Sinon je change de sexe, donc je vais vous dire tout de suite. Oui, c'est une remarque très intéressante. Disons qu'il y a, une possibilité de caprice qui est beaucoup plus libre chez un individu que chez une collectivité, parce que la collectivité engage plus de gens. Donc l'imprévisibilité de l'individu, je veux bien vous l'admettre, est plus grande que l'individualité des groupes. Voilà. Je voudrais qu'on termine avec une répétition. Une répétition des 5 questions qu'on doit se poser pour prévenir son avenir ou celui de l'entreprise, parce que je crois que la répétition est une des meilleures pistes pédagogiques parmi les meilleures, évidemment. Donc, Jacques, je vais vous demander de vous répéter tout simplement parce que ces 5 questions me paraissent très précieuses, si ça ne vous ennuie pas. Premièrement, quel est votre état de santé, pour faire court ? Deuxièmement, qui sont vos amis et vos ennemis ? Troisièmement, quel est votre projet ? Quatrièmement, que vos ennemis et vos amis vont faire pour vous ou contre vous ? Et cinquièmement, quels sont les événements les plus vraisemblables, presque certains, qui vont arriver autour de vous ? Si vous avez ces réponses à ces 5 questions, vous pouvez savoir ce que vous allez faire dans une demi-heure. Merci Jacques Attali. Alors, je vous donne le programme. Ce programme est affiché un peu partout, vous devez l'avoir. Il y a des super conférences cet après-midi, évidemment moins bien que celle-là, mais elles seront bien quand même, elles méritent que vous y participiez. Merci à vous et merci de votre intérêt.